Allez, salut l'équipe, on est de retour sur la chaîne, petit vlog aujourd'hui, on est au-dessus de la maison dans la Pampa, un petit spot que j'apprécie particulièrement pour venir m'entraîner de temps en temps. Aujourd'hui, il y a un temps de fou, il fait une quinzaine de degrés alors qu'on est mi-février, c'est vraiment un truc de dingue. C'est pour ça que j'adore le sud, c'est que mi-février d'un coup tu peux sortir, il fait trop bon, c'est pour ça que j'adore cette région. On va parler un petit peu du matos aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout, on va parler des projets qui vont arriver sur la chaîne cette année, de la nouvelle GoPro Hero 8 que je viens d'acquérir, des impressions 3D de chez 3D Racer. On va parler de plein de choses aujourd'hui, ça va être trop cool. Mais en attendant, je vous laisse avec des petites images et moi je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Sometimes I think about why as the sand in the hourglass runs. I try to keep it in line, maybe I'm just not the one. But you know I would, but you know I would, but you know I would keep it undercover. We could have each other. But you know I would, but you know I would only let you down. You know I'm gonna change. Things just don't stay the same no more, no more. You know I'm gonna break. You know I'm gonna break your fading heart. But it's over, it's over, it's over now. Bon bah j'ai été obligé de bouger de mon spot là-haut parce qu'au départ il y avait du vent de temps en temps par rafale, mais alors là il s'est levé un peu plus quand même, il s'arrêtait pas là-haut. Donc j'ai décidé de migrer. Donc là on est au col du Marseillais. Juste derrière moi, bah là les dives que je viens de taper. Là je me faisais bien balader par le vent. Pour ça j'ai fait juste une seule lipo là en face sur la falaise. Une là, une petite en freestyle. Et puis on va essayer de se trouver un autre spot pour aller faire quelques lipos. Il fait toujours aussi beau, le soleil est encore assez haut. Donc on va essayer de profiter un peu du coin. Je sais pas trop encore où je vais aller. J'aimerais bien faire un petit peu de whoop. Où est-ce que je pourrais aller? Bah je pense que je vais aller du côté de la citerne, là où j'aime bien aller. Et puis il y a un autre vallon là-bas, je pense qu'il serait un peu plus caché du vent. Ouais, on va aller là-bas. Du coup on va aller freestyle un peu. On va faire un peu d'Hero 8, du whoop. Et puis tourner l'intro surtout. Voilà. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Nous voilà maintenant posés tranquillement, je vais vous parler 5 minutes histoire de mettre les choses au clair un petit peu sur ce qui va se passer cette année sur ma chaîne, mes projets perso, mes projets pro. Je vais vous expliquer vite fait un petit peu mes projets. Cette année j'envisage de passer télépilote pro avec le CPF et de faire financer ma formation, donc j'espère que ça se fera. Le projet est lancé, maintenant j'ai plus qu'à me motiver à me mettre dedans, essayer d'en faire mon métier ou pour l'instant un complément, on verra comment ça se passe. Le marché est assez encore petit. En attendant, bah toujours en loisir, hein, gros kiff avec les collègues. La FPV Team 13, comme vous avez pu voir sur Instagram maintenant, qui est bien active. N'hésitez pas à le suivre si c'est pas encore fait. De toute façon, là, hop, tac, ça apparaît. Vous avez pu voir qu'on s'éclate bien maintenant avec la FPV Team 13. On fait plein de sorties, plein de sessions. Pour ceux qui ont envie de voler avec nous, vous venez sur Facebook. Il y a le groupe FPV Team 13. On poste dès qu'il y a une session, les coordonnées du lieu. Enfin, voilà. Vous venez voir, vous venez voler avec nous, il n'y a aucun problème, on vous accueille. Si vous êtes novice ou pas, on prend tout le monde dans l'équipe. On se fera un grand plaisir de vous accueillir. La team est vraiment cool, tout le monde est vraiment cool. Au mois de mai, la Corsica. Aussi, comme vous avez pu voir sur Instagram, j'ai un petit peu teasé en story l'autre fois que bientôt je partais en Corse avec les collègues. Je pars avec Elliot, Paul, Lou et Laurent. On part pendant 9 jours début mai, ça va être un road trip de malade. J'espère que vous serez au rendez-vous parce qu'il va y avoir des vlogs de Fada qui vont sortir sur YouTube. Ça va être la folie. En plus, du coup, pour en venir à ça, je viens d'investir dans la GoPro Hero 8. Je viens de mettre mon 5 pouces cinématique à jour. Je vais vous parler de ça tout de suite. Je lui ai fait faire des TPU magnifiques par David de chez 3D Racer, le magasin Fly Drone Concept à Gémenos juste à côté, voilà. Donc il est là, mon petit 5 pouces cinématique, de toute façon je l'ai mis en photo sur Instagram. Mon petit Mark 4 a fait son petit upgrade. La case du violet vers le bleu, pareil pour les protections de bras. Il vole super bien, toujours sous Emu Flight, j'en suis super content. Manque plus que le Crossfire qui va arriver dans pas très très longtemps là d'ici. 15 jours, 3 semaines, on passe en Crossfire. Je vais vite fait vous parler des composants. Une KDX Rattel, des petits moteurs IMAX Eco, une stack Mamba, VTX AKK.
La frame, comme j'ai dit, c'est une Mark 4, petit buzzer V-Fly, le GPS BN220, c'est hyper important. Voilà, l'antenne de chez TrueRC en R9 pour l'instant, avant de passer en Crossfire. Ça vole super bien, je suis super content. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Bah, je vais continuer à parler de mes autres machines de toute façon. Maintenant, on passe sur le petit 5 pouces freestyle. Voilà, donc bah, c'était ma première frame 5 pouces. C'était la frame du Nazgul à l'époque. Bon, bah, il n'y a plus rien d'origine dessus à part la cam qui reste et la frame. Je lui ai mis des petits moteurs de chez T-Motor, des petits Velox. Ils sont super cool, ça vole super bien. Airbot en ESC, Matek en FC, un petit AKK en VTX. Toujours un petit buzzer, c'est important le buzzer pour retrouver votre quad si vous crachez. J'ai foutu la GoPro 5 dessus maintenant en mode balèque pour le freestyle. Et voilà, que dire de plus, bah les hélices, de toute façon toutes les hélices que j'utilise c'est du HQ Props, S3, S4, S5, j'ai aussi des P3, ça vole super bien, voilà, j'ai pas grand chose à dire dessus, hop, j'ai failli me faire tomber. Un petit code freestyle sympa pour pas se prendre la tête, pour déconner et relâcher la pression, voilà. Hop là, ensuite on a le petit Cilewhoop. C'était mon petit Green Hornet, hein. Je l'ai un petit peu remixé, j'ai enlevé les ducts, j'ai un peu coupé les protections. Bientôt je vais avoir des petites impressions 3D qui vont aller juste là, vraiment juste pour quand ça tape. Il aura vraiment une belle prise au vent. KDX Rattel aussi, comme tous mes autres quads. La petite stack, bah, c'est la stack d'origine de chez eFlight, hein, ça fait le taf. J'ai pas mis de buzzer dessus parce que je fais sonner les ESC, puis en général ça va, je le perds, je vole pas très loin avec, donc j'arrive à le retrouver facilement si je le crache. Petite antenne TrueRC du coup, voilà, ça capte super bien dans le masque. Là, je mets l'Aero 8, et puis après, voilà, on passe dans les arbres, dans les petites forêts, pour récupérer des petites images avec l'Aero 8, c'est aux petits oignons. Et enfin, mon dernier quad, le quatrième, mon petit Tiny, voilà, avec lequel je me prends pas la tête, je fais bordel, je m'éclate dans les arbres avec. Je fais un petit peu de freestyle aussi avec, franchement ça réagit plutôt bien en freestyle, ça vole en 3S. Petite stack GEPRC, des petits moteurs Zing de chez eFlight, Calixeos en cam, pas une Rattel pour le coup. Bientôt la baby Rattel dessus, c'est vraiment pour pas se prendre la tête, petite machine tranquille. C'est vraiment cool d'avoir un petit Tiny pour voler sans faire trop de bruit, dans des endroits où c'est un peu galère de voler, voilà, c'est un super petit quad. La radio, toujours la QX7, hein, fidèle au poste, toujours le R9. Bientôt le cross comme j'ai dit, mais le R9 déjà avec une TBS Diamond. J'ai cassé ma Super 8, du coup je me suis dit bon bah je vais prendre une Diamond et comme ça dès que je prends le cross, bah elle sera déjà là. Et ça change hein, par rapport à la Super 8 d'origine sur le R9, franchement je vois la différence hein. Non franchement, super content de cette antenne, pas trop du R9 même si ça fait le taf. Bientôt le cross dans tous les cas, ça va être la bombe. Toujours avec mon petit EV800D, mon petit masque fidèle au poste, petite antenne TrueRC dessus, le petit patch, ça fait un an et demi que je vole avec. Tant que je passe pas en HD, ben je garde ce truc, et le jour où je passerai en HD, ben, ce sera le Mass DJI. Ça sert à rien que j'investisse dans des lunettes ou quoi en analogique, sachant que je vais probablement passer en HD, ça va venir. Je continue à voler avec, je lui ai fait le mod pour pouvoir rajouter la batterie en plus, parce que la batterie d'origine ça tient pas du tout. J'en suis plutôt content de ce masque, avec la batterie je tiens une session sans problème, même si c'est vrai que niveau encombrement, c'est pas le meilleur compromis. Ça vaut pas des Fat Shark avec un Rapid Fire, mais franchement, moi personnellement ça me suffit amplement. C'est un bon masque, sauf la batterie qui est pas ouf. Vous faites le mode, vous branchez une batterie dessus en 3S, en 4S, et à aucun souci, vous pourrez l'alimenter pour une session sans problème. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a pas été trop longue, j'espère que j'ai pas été trop ennuyant. Je vous ai juste parlé de mes quelques projets de cette année. On a un joli coucher de soleil pour finir la vidéo. Je vais aller faire ma dernière lipo en freestyle. J'essaierai de vous mettre un petit peu de freestyle dans la vidéo si ça vaut le coup. Sinon, bah, ce sera que du cinématique en 5 pouces et en Cilewhoop. N'oubliez pas de vous abonner sur mes réseaux sociaux. Sur ce, portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao l'équipe! Tiens, t'es dans le vlog, enculé. Mais bon, on verra rien, frère, je suis en plein soleil. Ah putain, mais je voulais dire bonjour. Bah, dis bonjour. Alors là, il y a Elliot qui met son masque DJI. On le voit pas. On me voit moi dans le reflet en train de vlogger, mec. Salut à tous, c'est Parkinson, Pied. Et non, c'est Elliot FPV. Alors, tu m'as fait allumer l'osmo pour me dire ça. Tu es vraiment un connard, hein.